Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour les replays de Ruse, journée numéro 2, le tournoi de Ruse organisé par Spitfire, oui. Avec justement un match opposant Spitfire à Dylan, remporté 2-0 par Spitfire. Et c'est parti. Alors comme toujours les matchs je ne les ai pas vus, donc ça va être du commentaire en direct. Alors Dylan en russe, Spitfire en allemand. Alors un russe face à un allemand, donc le russe qui a perdu. Toujours étonnant, donc Spitfire qui part sur un décryptage sur son adversaire, Dylan qui part sur un blitz plus décryptage aussi sur son adversaire. 1, 2, 3 dépôts pour Spitfire contre 1, 2, 3 dépôts pour Dylan. Une caserne ici. Pour un russe qui est assez normal, il a dû mettre une autre caserne chez lui. Voilà, il en a mis une deuxième ici pour développer les guardias plus rapidement. Très classique. L'allemand qui part lui sur une caserne uniquement pour l'instant avec une SDK ici contre un BA-11. Plus une infanterie, donc pour l'instant il fait pas grand chose, il laisse son adversaire, donc qui est en train de développer les guardias. Qui met pas trop la pression en fait, c'est étonnant d'avoir mis deux casernes, même trois casernes. Hein. Ah, une, deux, ouais, deux casernes, il aurait pu en envoyer sur les flancs de son adversaire pour lui mettre un peu la pression. L'allemand qui pour l'instant n'a pas fait grand chose. Ah, il fait un avion, un aéroport pardon, donc un aéroport, un vrai aéroport, c'est pas un factice. Qui va contraindre son adversaire à faire, d'accord, de l'aéroport aussi. Donc avec des Shtuka, voilà les Shtuka qui se lèvent. L'aviation russe qui va arriver à mon avis beaucoup trop tard. Le russe qui pour l'instant n'a rien fait, je comprends pas pourquoi il a pas sorti d'unité. Pas d'infanterie, rien, alors que bon, il aura envoyé de l'infanterie en masse, les Shtuka concrètement ils auraient pas fait grand chose. Assez étonnant de sa part, Spitfire qui joue, qui gère voilà, les faux avions, donc ouais, c'est un faux Shtuka qu'on avait tout à l'heure. Avec quelques vrais Shtuka dans le lot. Donc là il en a quand même des vrais, voilà. Et des ME-109. Donc voilà. Qui attaque les infanteries au sol, ça lui permet de conserver la ville ici. Pour l'instant il a une bonne maîtrise de l'aérien, Spitfire. Bien que son adversaire ait beaucoup d'Ishak. Mais les Ishak ont sûrement attaqué les Shtuka. Donc ici dans le bas ici, on a de l'infanterie qui malheureusement se fait mettre en déroute. La BA-11 qui reste un peu trop en Europe. Et regardez comment le Junker va passer. Vraiment, vraiment, simplement. C'est assez bizarre. En plus, oh là là, Dylan qui sort un PE-8 sans Ishak pour le couvrir. Assez bizarre aussi. Mais là, à mon avis, beaucoup d'erreurs de sa part. Regardez comment il va se faire. Ah voilà, c'était du leurre en fait. Mais moi, je me suis fait avoir. Effectivement, c'était du leurre. Donc, c'est des bombardiers lourds qui sortent en tant que leurre. Donc là, on a des leurres de chaque côté. L'infanterie qui, pour l'instant, gagne plutôt du côté allemande plutôt que du côté russe. Et on a également donc l'adversaire Dylan à Spitfire qui sort de l'anti-air maintenant. Il aura peut-être dû faire de l'anti-air plutôt, je ne sais pas. Bon, la partie est quand même intéressante parce qu'elle est assez symétrique. Dans le sens où chacun est parti sur du sol, sur de l'aérien. Et voilà, donc économiquement où on en est à 1, 2, 3 dépôts toujours d'un côté. Dylan qui en est toujours à 1, 2, 3 dépôts. Regardez l'aérien ici, là il y a une belle bataille aérienne, et regardez la SDK comme elle a réussi à passer et à faire le tour. Et voilà, qui détruit et qui réussit à détruire l'aéroport, ça c'est vraiment vraiment fort. Non, même pas qu'il le détruit pas, donc il détruit plutôt les avions qui se font exploser. Ce qui impose à Dylan de laisser ses avions en l'air et qui n'ont plus de munitions pour se défendre. Donc l'allemand qui met une grosse pression à son adversaire, c'est assez étonnant. L'anti-air qui est sorti à mon avis beaucoup trop tard, mais bon. Voilà, et l'aéroport qui malheureusement a perdu tous ses avions. Donc là, la maîtrise de l'aérien plus la maîtrise du sol de Spitfire, avec même l'infanterie ici qui commence à pousser de la part de Spitfire. Regardez là, il masse sa pile juste devant la ville, et après il va les faire rentrer, je pense, d'une seule traite pour prendre le contrôle de la ville. Un vrai PE-108, non, c'est un faux. Voilà, c'est un faux. Un PE-8, pardon. Faut pas confondre avec les bombardiers italiens. Voilà, donc là, ici, l'infanterie qui est massée avec un bon support aérien. Dylan qui a toujours son faux assaut qui est en cours, encore 14 secondes. Un camouflage pour protéger sa base. Il a malheureusement perdu beaucoup d'avions. Économiquement, il est toujours à 3 dépôts alors qu'il aurait peut-être un dépôt intéressant à prendre ici. Son adversaire qui a mis un camouflage là-bas en est à 1, 2, 3, 4 dépôts. Et il va peut-être même partir sur un 5e dépôt. Donc économiquement, Spitfire prend le dessus. Vous voyez d'ailleurs l'argent qui rentre à flot.
Là, l'infanterie massée ici, dommage, l'infanterie qui va... Enfin, il aurait dû envoyer son infanterie plutôt d'envoyer des chasseurs, parce que la chasseur pour détruire l'infanterie, c'est quoi un peu dommage. Surtout qu'il a de la bonne infanterie ici, il a une BA-11, donc bon, il a quand même un map contrôle. Ah, alors Spitfire qui sort du Panzer 4. Panzer 4, malheureusement son adversaire qui n'a strictement rien pour se défendre de l'infanterie et des chasseurs, autant dire, il va se faire rouler dessus. Je pense que là, la partie, clairement, elle est à l'avantage de Spitfire, il n'y a aucun doute là-dessus. Même le contrôle aérien, le contrôle au sol, tout est fait par l'allemand, donc on va accélérer. Et là, à mon avis, cette attaque ne sera pas arrêtée parce que Dylan n'a rien pour contrer, voilà, il n'y a que d'entières. Ah, Spitfire qui décide de reculer, oui, effectivement, parce qu'il y a de l'infanterie dans la ville. Donc voilà, la partie que j'accélère parce qu'elle est clairement à l'avantage de Spitfire qui va remporter grâce à sa Panzer plus infanterie avec un bon support aérien. Ah, alors effectivement Dylan qui a réagi avec une base anti-char. Donc ça ralentit un peu l'action puisque Spitfire ne peut plus attaquer à cet endroit-là. Mais bon, de toute façon, économiquement, là on n'a plus que 2 dépôts à l'inverse de son adversaire qui en a 1, 2, 3, 4, 5 dépôts. Même 6 dépôts et j'ai vu un camion qui... Ah oui, qui a dû passer par là. Donc 6 dépôts d'un côté, plus que 2 quasiment vides de l'autre. Voilà, 36$ restants. Ah, alors quand même, on a 3 dépôts, autant pour moi, il y avait celui-ci que j'avais pas vu. Mais bon, ça donne pas beaucoup d'avantages pour Dylan, qui continue à se faire harponner. Voilà, ici, là, vous voyez la masse d'infanterie qui était massée depuis tout à l'heure, grâce à la reconnaissance aérienne, a pu se faire attaquer au sol, l'infanterie ennemie dans la ville pour la mettre en déroute. Et regardez comment il prend la ville rapidement. Là-bas, on doit avoir une masse de Panzer 4 plus infanterie, voilà, plus un Tiger. Ah ouais, alors. Spitfire qui a carrément sorti des Tigers à ce moment-là de la partie. Regardez comment Dylan est en train de suivre avec ses anti-chars. Voilà, il est obligé de suivre son adversaire. Tandis que là, il va contourner de l'autre côté. Et malheureusement, je crois qu'il a pas d'anti-air dans ce coin-là. Donc, d'anti-char, pardon. Donc en fait, il est vraiment en train de s'adapter à son adversaire. Alors peut-être un fake à nouveau, non? Non, que des vrais. Alors on a que des chasseurs plus des Stukas dans le tas. Donc très très belle masse d'avions ici. Avec donc Spitfire qui avec son Tiger plus une reconnaissance, remarquez la reconnaissance quand même en appui ici, superbement bien placé et bien joué. Là, l'anti-char qui malheureusement ne sortira pas à temps, à mon avis, vu le Tiger, la puissance qu'il a en un tir, il va détruire la base. Peut-être un peu plus d'un tir alors. Ah non, le Tiger qui n'y arrive pas, c'est dommage. Un deuxième Tiger qui arrive, peut-être même un troisième Tiger ici. Voilà, celui-ci qui n'est pas détruit, alors il le met en fana, là il va tomber à mon avis face à l'anti-char ennemi. Regardez comme il va se faire détruire. Sauf que voilà, les chasseurs qui attaquent. Très belle attaque des chasseurs combinée avec les Panzers. Bah voilà. Un vrai blitz à l'allemande. L'aviation plus le sol. Et voilà, là c'est la fin pour Spitfire qui a très bien géré ses ruses avec un fana au bon moment. Son adversaire qui tente de mettre un fanatisme aussi. Mais avec des unités très fragiles, ça ne sert plus à rien. L'adversaire qui va envoyer de l'infanterie donc en masse pour tenter de repousser son adversaire. Mais et qui ressort, donc il lâche vraiment pas le morceau, qui ressort ici de l'anti-char. Mais économiquement, de toute façon, Spitfire a pris le dessus. Les points sont à l'avantage de Spitfire. Voilà, donc je pense que là, il n'y a pas de doute à se faire. De plus, Dylan n'a pas de reconnaissance. Sarako est là et ses anti-chars ne peuvent pas tirer à ce moment-là. C'est bien dommage. Portée 500 mètres. Mais sans pouvoir en profiter. Face à des Tigers qui ont une portée de 500 mètres aussi. Donc ça aurait pu faire la différence s'il avait une reco. Malheureusement, la reco est très mal gérée à ce moment-là de la part de Dylan, qui se fait submerger, qui se rend. Voilà, donc très très belle partie de Spitfire qui a gardé son calme depuis le départ en gérant ses unités en fonction de son adversaire, qui n'a pas mis beaucoup de pression. Donc ça lui a laissé vraiment le temps de développer ses infanteries, de prendre le contrôle des villes. Donc très très bien joué de la part de Spitfire. Maintenant, on va passer sur le deuxième match. Donc c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc pareil, allemand contre russe, à nouveau. Sur une map qui est plutôt pas mal pour les russes aussi, parce qu'elle est large, mais avec, avec des opportunités aussi pour les allemands. Parce que comme elle est large, ça peut permettre à l'aviation d'être assez taquine, surtout sur les dépôts. Donc on va voir comment chacun part dès le départ, donc on va se mettre en vue de côté. Donc Spitfire qui voit son adversaire grâce au décryptage, grand classique, qui blitz en plus sa zone. Et ruse symétrique utilisée par Dylan. Donc pour l'instant tous les deux partent sur du speed, sur du décryptage chez l'adversaire et du blitz sur leur propre zone. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Spitfire qui va sortir une caserne ici et un Siegfried là. Alors là, le Siegfried ne pouvait pas se construire parce que le SDK était juste au-dessus.
Ici, on a Dylan qui sort une caserne ici, une deuxième caserne ici, une troisième caserne ici. Deux dépôts d'un côté. On a deux dépôts de l'autre, donc deux dépôts de chaque côté. Une base anti-char ici, de l'infanterie, donc vraiment beaucoup d'infanterie. Les SDK qui arrivent en masse, mais malheureusement ici les anti-chars qui sont relativement loin. De plus, voilà, de l'infanterie qui arrive aussi. Donc là, pas mal d'Ilan qui a placé alors ça c'est dommage, l'infanterie qui sort de la forêt, qui est visible à ce moment-là. Il aurait pu prendre en attaque surprise son adversaire qui le voit, qui décide de contourner par la gauche. Mais là, la reconnaissance plus l'infanterie bien placée, donc il va peut-être se faire une attaque surprise. Voilà, bien joué. Ici les anti-chars qui arrivent en appui, ça c'est très bien joué. Malheureusement il gère mal son anti-char, il amène pas son infanterie en support s'il le fait, mais c'est trop tard à ce moment là. Dommage. Voilà, en plus l'infanterie qui s'approche trop près du Siegfried, qui commence à avoir chaud aux fesses comme dirait l'autre. Le SDK en plus qui a une belle visu sur eux. L'anti-char qui malheureusement est pas assez en soutien. C'est dommage parce que là Dylan, je pense qu'à ce moment là il a fait un bon contrôle, pris un bon contrôle de la map. 1-2 dépôts toujours pour Dylan et 1-2 dépôts toujours pour Spitfire. Donc les deux sont vraiment partis sur de la pression massive dès le départ. Donc bien joué de la part de Spitfire qui sort énormément de SDK, plus de l'infanterie. Donc ça c'est une très très belle technique je pense face à un russe. Voilà, qui réussit à repousser l'infanterie de son adversaire, tandis que Dylan a quand même des anti-chars et des BA-11, donc c'est dommage parce que il les appuie pas bien. Il met pas assez la pression, regardez, sur le côté gauche. Il aurait un grand tour à faire ici s'il le souhaitait, mais il ne le fait pas, donc il reste beaucoup trop statique, Dylan, à mon goût. Tandis que son adversaire, regardez comme il est mobile depuis tout à l'heure, donc il met vraiment la pression, les SDK qui se déplacent, l'infanterie qui se déplace sur les flancs. Ici, Dylan qui, à mon avis, Dylan a du mal à gérer plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'il a plusieurs fronts à gérer, ici, ici et ici. Et malheureusement il n'arrive pas à être suffisamment mobile pour taquiner son adversaire. Regardez la grosse erreur de Dylan qui avance son anti-char ici sans reconnaissance. Donc ça c'est plein de petites erreurs qui à mes yeux peuvent coûter une victoire. Voilà, donc là l'anti-char qui voilà, s'arrête enfin. Très très bien joué là l'anti-char plus les BA-11. Malheureusement l'anti-char qui va devoir reculer face à l'infanterie. Non, c'est Spitfire qui s'arrête. Ah, une caserne qui a été capturée, à quel endroit? Alors ça c'est beau, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé, il y a une base qui a été prise a priori. Bon. En tout cas là, Dylan qui part clairement sur de l'infanterie, qui gère pas son économie, donc toujours deux dépôts. Il a 4 casernes, 1, 2, 3, 4 casernes. Spitfire qui temporise un peu en prenant un troisième dépôt, donc ça l'économie malheureusement, Dylan il la gère pas très bien. Et toujours ces problèmes d'anti-char qui avance tout seul, regardez cet anti-char qui avance tout seul ici. Voilà, aucune chance de s'en sortir puisqu'il ne peut pas attaquer l'infanterie. Et là, pareil, toujours hyper statique. Et regardez comment Spitfire passe tranquillement avec une SDK et va pouvoir aller comme ça attaquer l'économie de son adversaire peut-être. Dylan qui ne réagit pas à temps et qui malheureusement va sûrement perdre beaucoup d'économie à ce moment-là. Surtout que malheureusement, il n'a pas assez de dépôts. Son adversaire qui pense à mettre de l'infanterie dans le dos, plus beaucoup de reconnaissance. Toujours 3 dépôts d'un côté. Voilà, l'économie qui commence à tomber de la, pour Dylan. Dylan qui reprend donc 1, 2, 3 dépôts, peut-être un quatrième dépôt, donc ça c'est pas mal. L'adversaire qui commence à masser des troupes un peu partout, c'est étonnant quand même pour un russe. Voilà, très bien fait de sa part. La B11 qui commence à mettre en déroute le SDK, mais le SDK qui a réussi à casser un peu l'économie de son adversaire. Et un Shtuka qui arrive en support, est-ce qu'il va réussir à la sauver? Non, malheureusement, c'est dommage. Mais on comprend qu'à ce moment-là, Spitfire est parti sur l'aviation. Effectivement, il était en camouflage, donc on n'a pas forcément vu l'aéroport. Mais très bien joué de sa part avec un bombardier, deuxième bombardier, des Shtuka, peut-être un fake, non, toujours pas de fake, donc peu de ruses utilisées de part et d'autre. Un blitz ici que je ne comprends pas trop. Voilà, et l'infanterie allemande qui est en train de repousser l'infanterie russe, c'est du jamais vu, vraiment jamais vu. Là en plus Dylan qui ne voit même pas son voilà son adversaire qui l'approche. Qui commence à masser de l'anti-air, mais alors clairement sur une map aussi grande de l'anti-air c'est difficilement jouable, mais très bien fait quand même grâce aux bombardiers qui malheureusement ont tendance à repasser par le milieu lorsqu'ils ont fini de bombarder. Ça c'est un peu gênant. Voilà la caserne ici qui a été détruite par les bombardiers, donc très bien fait de la part de Spitfire qui au niveau du score reprend le dessus. Voilà là-bas la pression ici, regardez, peut rien faire ici, la BA-11 qui appuie malheureusement mais trop faible. Aucune réaction de la part de Dylan, hein, c'est incroyable ça, aucune réaction, aucune infanterie sortie de sa base. Il est concentré sur l'autre front. On voit bien que Dylan n'arrive pas à gérer plusieurs fronts. Peut-être la caméra trop proche de l'action, je ne sais pas. Regardez comme il avance vraiment tranquillement. Alors si Dylan commence à réagir en envoyant un petit peu d'infanterie, mais ça ne suffira pas alors qu'il a une caserne ici, il aurait pu en envoyer une masse. Et regardez ici, quand même une belle attaque de la part de Dylan qui tente d'avancer sur son adversaire, malheureusement sans reconnaissance. Et Spitfire qui a toujours son duo SDK
et infanterie. Et donc là, Dylan qui se rend. Alors que Dylan aurait pu, je pense, s'en sortir, mais peut-être économiquement, il était un petit peu juste. Non, pourtant, économiquement, ça se joue à pas grand-chose, une centaine de points. Donc bon, c'était pas une grosse différence. Donc je ne sais pas pourquoi il a abandonné, peut-être... l'impression de la défaite. En tout cas voilà, c'était les deux matchs remportés par Spitfire face à Dylan. Très beau match avec un Allemand face à un Russe. Je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos. C'était DS pour la SS117.